Yasana, c'est un documentaire tourné aux quatre coins du monde sur des jeunes qui s'engagent pour la justice sociale, la liberté d'expression, la sécurité alimentaire, l'accueil des réfugiés et aussi le climat. L'idée, c'était vraiment de montrer que partout dans le monde, quelles que soient les causes, hein, quelque chose est en train d'arriver, qui est que la jeunesse est en train de s'emparer de son monde et d'essayer de le réparer. Les trois problèmes du monde, la suprématie blanche, le capitalisme et le patriarcat. C'est les trois clés et elles sont là. Et en fait, donc on l'incarne tous. Et moi, c'est pas parce que je suis une femme que je l'incarne pas. Mais voilà, donc c'est vraiment le cœur du film et le cœur du propos, je pense. Alors, j'avais pas de critères d'âge. Par contre, ce que je voulais, c'était vraiment montrer des personnes qui étaient vraiment dans l'action. Une action que je pouvais documenter, une action que je pouvais illustrer, une action dont d'autres pouvaient me parler. Donc, ça voulait dire que ça pouvait pas être sur des gens qui étaient juste dans le discours, ou la bonne intention, ou la manifestation, même si c'est génial déjà. Mais j'avais besoin de cranter quelque chose de plus important parce que je voulais montrer que agir, ça a un impact. J'ai rencontré Malati à l'occasion d'un premier travail que j'ai fait pour Arte et les conférences TED en 2016. En fait, j'avais une série documentaire et je dressais le portrait de gens qui changeaient la donne dans leur communauté, mais avec des idées différentes. Et j'avais quatre épisodes et j'avais fait trois épisodes et à chaque fois, c'était des garçons, des hommes de plus de 50 ans blancs. Et donc, je me disais, il y a peut-être quand même autre chose, quoi. Il y a peut-être quand même quelqu'un d'autre qui est en train de bouger. Première chose, je travaillais aussi en parallèle le projet de rencontrer Edward Snowden, parce qu'en fait, tout mon parcours depuis 20 ans, j'écris 10, 15, 5 ans, 7 ans, je fais des films, c'est de montrer que d'essayer de rendre toute la noblesse aux activistes en fait, aux lanceurs d'alerte. C'était d'essayer de vraiment faire comprendre à tout le monde que c'est des personnes qui sont en train de nous dire quelque chose en fait. Qu'on n'a pas envie d'entendre, parce que c'est pas confortable, mais que c'est courageux de leur part et qu'il faut qu'on les écoute. Et je sentais bien que ces portraits que je faisais, je me régalais à les faire, mais ça marchait pas, en fait. Ça n'enclenchait rien chez les gens. Alors, les gens me disaient, Edward Snowden, il est extraordinaire, et il l'est. Mais il est tellement exceptionnel que les gens n'arrivent pas à se lier, à se relier. Ça ne leur donne pas envie d'agir, parce que c'est trop haut. Et donc ça ne casse pas le frein interne. Et moi, je cherchais à casser ce frein. Melati dit, on cherche ce déclic à l'intérieur de nous. Moi, je cherchais à le déclencher chez les gens. Et donc, je me rendais compte que mon travail, même si je m'éclatais avec, n'allait pas avoir d'impact, enfin celui que je cherchais. Et puis, surtout, j'ai eu mon fils qui, à 7 ans, m'a posé cette question que tous les parents redoutent, qui est, maman, ça veut dire quoi? La planète va mourir. Donc j'étais dans ce moment où je me rendais compte que mon travail, qui consistait à essayer de convaincre des adultes de changer, ne marchait pas. Et je me rendais compte que mon propre fils avait un début d'éco-anxiété auquel je ne savais pas répondre. Donc je me suis dit, bah, je vais faire un film pour lui. Et c'est comme ça qu'en fait, sur cette série documentaire, je me suis dit, bah, tiens, je vais aller chercher quelqu'un comme lui. Comme ça va lui parler à lui. Je voulais répondre à la question de mon fils. Donc j'ai rencontré Melati comme ça, sauf qu'en la rencontrant, je me suis rendu compte que c'était magique parce que elle était magique. Elle avait toute cette lucidité, cette sagesse, cette rage, cette volonté, cette intelligence que je voyais chez les adultes activistes adultes, mais encapsulée dans un petit corps de jeune fille, voilà, qui était comme vous et moi, en fait. Donc, et je me suis dit, bah, tiens, tout le monde me dit, je peux pas être à Edward Snowden, mais là, je pourrais toujours répondre, mais tu peux être un enfant. Ou t'as été un enfant. Donc, si des enfants le font, pourquoi tu le fais pas? Et donc, voilà. Donc, ce film est parti de là. Et puis après, avec Melati, je me suis hyper bien entendue. Je me suis rendu compte dès 2016 qu'elle n'était pas toute seule à faire ce qu'elle faisait.
J'ai repéré très vite Mohamed, Memory et Sutescal, puisque vous l'avez vu, c'est des personnes qui ont commencé à bouger à 12-13 ans. Je me suis dit, OK, où est la jeunesse? Je veux faire un portrait de la jeunesse aujourd'hui. Où est la jeunesse? Si vous regardez les statistiques, 80% de la jeunesse mondiale aujourd'hui vit hors d'Occident. Donc si vous voulez faire quelque chose de représentatif, ben vous quittez votre territoire en fait. Enfin, voilà. Et donc voilà pourquoi on est aussi dans des contrées aussi reculées parfois. Mais c'est aussi parce que c'est là que l'urgence d'agir est la plus prégnante. Donc c'est normal que les activistes soient surreprésentés dans ces pays-là, parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est une question de vie ou de mort pour eux. Et voilà, donc c'est un mix de tout ça. Et puis bien sûr, on voulait un mélange de filles et de garçons. Il y a une surreprésentation de filles, mais il y a une surreprésentation de filles dans ces mouvements. Et voilà pourquoi on est arrivé à ce casting, entre guillemets, c'est horrible ce mot, mais à cette espèce d'équipe formidable, en fait. C'est une espèce de dream team. En fait, on a tourné hyper vite, on s'est dit il faut qu'on se dépêche, et on ne savait pas pourquoi. Bon. Mais toujours est-il qu'on s'est dit il faut qu'on embarque un maximum de gens dans cette énergie qu'on sent arriver. Donc, effectivement, financement participatif, mais pas seulement. C'est-à-dire que à chaque retour de tournage, on a tourné en 7 mois, un tournage par mois, à chaque retour de tournage, on organisait dans Paris, parce que c'est là où on était, un débrief de tournage en public gratuit pour tout le monde, les contributeurs du film ou d'autres. On lançait une annonce sur Facebook, malheureusement. Et on se retrouvait dans Paris, c'était ouvert à tous, et je racontais pendant 2 heures le tournage qu'on venait de vivre. Ça a permis 2 choses. D'abord, ça m'a forcé à mettre mes idées au clair à chaque fin de tournage. En général, on enchaîne, on ne réfléchit pas. Et ça, c'est super parce que pour le montage, j'ai quand même mis des balises pour me repérer, parce qu'on a 300 heures de rush à la fin. Voilà. Et l'autre chose, les gens sont venus écouter une histoire, c'était passionnant visiblement pour eux, mais ils m'ont posé plein de questions. Et donc quelque part, j'ai entendu ce qui les intéressait, ce qui les intéressait pas, ce qui était fort, ce qu'ils comprenaient pas, ce qui avait là où il y avait besoin de pédagogie, là où c'était évident. Et par exemple, j'ai senti que l'histoire de Marie-Fine, c'était quelque chose d'énorme. Bon bah ça, c'est autant de choses qui au montage vous guident. Donc Ulule nous a permis d'enclencher une dynamique collective, mais encore une fois, elle s'est incarnée après et elle a été très utile. D'abord, elle m'a donné la force, comme jamais personne. Marion, c'est quelqu'un que j'ai rencontré alors qu'aucun producteur ne voulait du film. Ou alors des producteurs que je ne sentais pas du tout alignés sur notre intention, enfin mon intention à l'époque, et qui sentaient le bon sujet, l'air du temps. Ben, ça me va pas du tout. Qui voyait nos héros comme des personnages de foire, un épiphénomène, donc ils ne voyaient pas l'enjeu politique en fait. Marion a tout de suite compris que c'était pas du tout un sujet marketing, que c'était fondamental et que c'était pas l'air du temps, c'était l'époque. C'était ce qui se passait pour ses enfants, mes enfants, etc. Donc elle a mis une espèce de saut de crédibilité énorme et en me disant je le fais avec toi. Et j'apporte ce que je sais faire. Et ce qu'elle sait faire, c'est elle a les meilleurs techniciens autour d'elle. Elle a travaillé avec les meilleurs réalisateurs. Donc quand c'est votre premier film et que vous le faites avec Marion Cotillard, je veux dire, là, il y a la pression qui monte. Et c'est génial. Donc elle m'a ouvert son expérience et donc par exemple le directeur de la photographie, c'est quelqu'un avec lequel elle travaille très fréquemment, qu'elle adore, qu'il adore. Et donc il s'est embarqué dans le film avec joie parce que c'était elle au début et puis très vite il est tombé dedans. Et il n'y aurait jamais eu non seulement ces images mais cette joie pendant les tournages sans ça. Elle m'a jamais lâché au montage tant que j'étais pas au bout de ce que je pouvais donner, elle m'a fait refaire. Et puis là, elle s'est, elle s'est, il y a eu quand même des moments, je dirais pas des, il y a eu des embûches quoi. Elle a tout le temps été là quoi. Donc c'est en plus c'est une force de la nature, Marion. Elle a pris toute la lumière qu'elle avait sur elle et elle l'a mis
sur ces jeunes. Mais si tous ceux qui ont la lumière font ça, alors on change tout. Moi, je dis juste, je l'ai vécu, c'est possible. Et il faudrait que vous l'interviewiez elle-même, mais je pense qu'en plus, c'est quelque chose d'important. Enfin, c'est pas, on n'est pas dans la posture. On est dans le combat. Et on adorerait, en fait, que tout ça se passe. Et c'est bien l'essence de ce titre. Même pour des célébrités comme ça, des hommes politiques, quelle que soit la position dans laquelle on est aujourd'hui, il y a possibilité de faire quelque chose de plus grand que soi.